Isabelle qui aurait dû logiquement être un peu mieux classée tout à l'heure aux barres asymétriques. Allez, c'est parti. Allez, ça le tire encore carpé. Belle entrée en matière. Dernière diagonale. Oui. Et triple brille. Oui. Elle est comme les bons vins, Isabelle Severino. Elle se bonifie en prenant de l'âge. Et là, c'est bien meilleur que ce qu'elle nous avait proposé jusque-là. Elle continue à progresser. À 25 ans, Isabelle, qui, rappelons-le, avait été médaillée en 1996 au Mondiaux. Idéal, quoi. Ça pour les euros, si tu veux, bon là c'est bien, quoi. Ça te fait un deuxième complet, mais pour les euros, c'est un vrai. Si tu fais vrai, tu rentres pas. Et là, si tu veux, elle va faire la vrille, comme ça, elle va monter un autre départ, j'ai vu. Alors là, on n'a pas fait beaucoup de répétitions, on ne l'a jamais fait encore dans le complet, si tu veux. Mais là, ça y est, maintenant c'est vrai, c'est obligatoire. Parce que là, je te dis, c'est placé. Hein. Et en plus, tu n'as pas fait pas. Tu pars sur un dixième de plus bas qu'hier, tu as fait un groupé ouvert. C'est pour ça qu'il faut le savoir avant le départ, parce que c'est dommage. Voilà, en direct live, les commentaires du coach Yves Kiefer. Alors, le complet, c'est pas un casse-croûte. C'est l'exercice entier. La note d'Isabelle Severino, 9,225, une bonne note. Il manquait effectivement peut-être, Michel, sur une vrille, un petit bout de rotation pour qu'elle soit complète. Mais enfin, c'est ouais, une mais en attendant, excellente 9,225 prestation. Avec cette note, si on se réfère aux qualifications d'hier, ça la placerait en deuxième position. Déjà pas mal. Donc, on achète. C'est déjà très bien, on achète effectivement cette médaille d'argent. On achète tout de suite. Si c'était le cas, mais... On verra. On achète tout de suite cette performance d'Isabelle Severino.